Nous sommes devant l'entrée du chantier d'Actavista de rénovation des jardins de la tour pentagonale à Castellane. Les jardins en restanque. Le chantier et les jardins sont inaccessibles au public pendant toute la durée des travaux, à savoir jusqu'au 17 février. Alors nous allons donc visiter le chantier, rencontrer un petit peu les différentes personnes qui y travaillent. Et avec nous, il y a Grégoire, Franck, c'est le chef de chantier ? Chef de projet. Chef de projet. Alors chef de projet, ça veut dire que tu t'assures que tout se passe bien ? Oui, il s'agit de piloter le projet pour s'assurer qu'au niveau de la partie employeur, tout se passe bien avec les salariés. Que sur la partie sociale et de suivi de la formation pour préparer la préparation antiprofessionnelle, tout se passe bien. Et il y a un petit suivi aussi au niveau logistique avec le chef de chantier en technique pour s'assurer que tout va bien. Est-ce qu'il y a un quota de un encadrant technique pour tant d'employés? Oui. Est-ce qu'il y a, je sais pas, comme au centre aéré ou à l'école, est-ce qu'il y a un quota? C'est un pour combien? Non, c'est pas, on n'a pas ce type de quota. Généralement, en formation, on dit que 1 pour 12, c'est bien. Mais lorsqu'on est sur ce type de chantier, 1 pour 10, c'est déjà très bien. Alors là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y avait à faire pour la réussite de ce chantier? Alors là, on est sur un programme de travaux qui est complexe, avec plusieurs mini-chantiers à mener parallèlement pour arriver à les terminer pour début juin. Donc il y a le cabanon principal et deux tours. D'accord, c'est quoi? C'est des ruines qu'il y avait sur le terrain et qu'il faut complètement remonter, reconstruire. C'est quoi le principe? Oui, alors le travail a été de travailler principalement sur la démolition au départ parce que les maçonneries n'étaient pas en très très bon état. Donc de débarrasser tout ce qu'il y avait à l'intérieur et tout mettre en sécurité pour pouvoir bosser et remonter les murs jusqu'aux toitures et rendre les bâtiments utilisables. Et remonter les murs, ça veut dire qu'ils vont être remontés à l'identique avec des murs en pierre et, alors, on et est recouverts sur... de chaux. Enfin, sur quoi on est là? On est vraiment. L'objectif, ça va être de réutiliser un maximum de matériaux locaux. Donc, lorsqu'ils ont procédé à la démolition, tout ce qui était sain, les pierres qui étaient encore en forme, on va dire, le bois, etc., qui n'était pas vermoulu, on a tout mis de côté pour pouvoir le réutiliser. Donc là, par exemple, ils ont déjà rebâti une fenêtre. Le linteau, c'était une ancienne poutre du premier étage qu'ils ont redécoupé aux bonnes dimensions. D'accord. Donc, a priori, sur un chantier comme celui-là, pas de parpaing? Ah non. Le but du jeu, ça va être de travailler essentiellement avec de la chaux. Parce que la chaux, donc, respecte la pierre parce qu'elle est perméable, donc elle permet à la pierre de respirer. C'est le principe, les matériaux de base dans la maçonnerie du bâti ancien. Il y a un tout petit peu de ciment à 2-3 endroits, mais on est essentiellement sur de la chaux. Et sur la reconstruction en pierre, est-ce qu'il va falloir faire venir des matériaux? Et dans ces cas-là, est-ce qu'on essaye aussi de s'approvisionner local? Oui, alors, de manière générale, on essaie toujours de s'approvisionner localement et de travailler avec les fournisseurs de matériaux du territoire, ce qui est normal et logique. Après, lorsqu'on va parler de cailloux, le caillou ça coûte pas très cher, mais le transport coûte très cher. Du coup, on va essayer, quoi qu'il arrive, même sur une logique financière, de prendre des matériaux locaux. D'accord, donc on garde nos cailloux. On garde nos cailloux. Donc là, tu disais 3 bâtiments à reconstruire, à réhabiliter, plus les restants du jardin. Tout à fait. Donc les restants, ça commencera théoriquement à partir de septembre. Donc là maintenant, donc de février à juillet, on va travailler sur les 3 bâtiments, les parties extérieures qui devaient être terminées pour début juin, et ensuite on fera les parties intérieures et les restants. À l'intérieur, vous êtes tenu à quoi? Oh, c'est des enduits principalement. Et pour les restants, ça se compte en quoi? En mètres linéaires de restants ou choses comme ça? Ouais, alors les restants qui. Je sais pas trop ce qu'il y a à faire exactement, donc je peux pas te dire. Allez, ben, c'est parti, on est parti visiter. Alors on s'avance, on voit évidemment le tas de cailloux qui est censé être réutilisé et l'échafaudage. Ah, vous avez un accès d'eau ici, direct? Oui, bah pour tous nos chantiers, on a besoin d'eau, d'électricité. L'électricité pour les perfos, pour décrouter les joints notamment, et puis l'eau pour les gâcher, quoi. Non, bah, tant mieux, si c'est sur place, c'est quand même vachement plus facile. Hein. Oui, ça a été mis en place avec les services techniques. Allez. Alors on continue notre visite sur le chantier et nous sommes là avec le chef de chantier. Oui, chef de chantier formateur chez Bao Formation
et qui travaille avec Actavista. Comment ça se passe? Écoutez, ben, pour l'instant, ça se passe bien. on est dans les temps. Et après, ben, si vous voulez plus de précision, vous pouvez demander aux jeunes. Mais ça va, je pense qu'ils ne sont pas trop stressés. On avance correctement et tout en apprenant. Alors, le principe, c'est qu'il y a plusieurs endroits sur le chantier avec des choses différentes qui sont un petit peu partout, avec des petites équipes. Exactement. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes d'un espace à l'autre pour essayer de voir comment ça se passe, comment ça avance. Exact, je cours de droite à gauche. Parce que donc ça fait à peu près 1, 2, 3, 4 chantiers dans un chantier. Ouais. Donc du coup, en même temps, je leur dis ce qu'il faut faire. Je regarde comment ils procèdent pour pas qu'ils prennent de mauvais gestes. Et en même temps, il faut leur expliquer. Donc voilà, donc il faut, c'est souvent à droite, après je redescends, je remonte, je redescends, mais c'est le chien de berger. Voilà. Et après, tu essayes de faire en sorte que chacune des personnes qui travaillent avec toi est touchée à tout. Exact. Par exemple, là, ils étaient sur le plein centre, sur le surbaissé exactement, le mot exact. Je ne sais pas ce que c'est un surbaissé. Un plein centre, je sais. Voilà, ben c'est un plein centre rabaissé en fait. D'accord. Avec une flèche moins importante. Et du coup, c'était deux, ils ont fait la moitié. Et là, c'est notre équipe de deux personnes qui vient, ils alternent. Voilà. D'accord. Donc, toi, tu fais un compte-rendu tous les soirs à savoir qui qui a fait quoi. Exact. Pour essayer d'avoir un petit peu une vision d'ensemble, voilà, de l'évolution de chacun. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, je sais que tout le monde a fait de la pierre sèche, a monté un mur en pierre sèche. Tout le monde a fait pratiquement un petit enduit ou alors a jointé déjà. Ils ont tous vu ensemble comment on coule une dalle béton. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu plein de choses. Les coffrages aussi de... Ouais, les coffrages, exactement. C'est-à-dire aussi sur ce chantier, ce qui est particulier souvent quand on est dans la maçonnerie traditionnelle ou qu'on reprend du vieux, ce qui est très dur en fait d'assimiler, c'est quand on bâtit, il faut avoir des côtés où il y a de l'aplomb, il faut suivre un aplomb correct et suivre des murs qui ne sont pas plus d'aplomb. C'est exactement ce qu'on disait juste avant, faire du droit sur du tordu, c'est pas évident. Voilà. Et si tu vois qu'il y a certaines personnes qui sont un petit peu en difficulté par rapport à certaines techniques, est-ce que tu prends le temps d'y revenir? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire après, quand on sera en théorie? Alors, exactement, je vois peut-être ce que vous voulez dire. Moi, j'essaie de retrouver, si je vois qu'il y a un mauvais geste qui est fait, j'essaie de le corriger. S'il y a une mauvaise compréhension, je ne vais pas m'énerver, je vais leur expliquer. C'est gentil. On essaye. Je crois que c'est véritablement l'intérêt de ce chantier École du patrimoine, c'est que c'est très bien de voir les choses en théorie. C'est autre chose de les voir, de les mettre en œuvre lorsqu'on est sur un échafaudage, avec des matériaux qui ont déjà été utilisés, qu'on va réutiliser, etc. C'est complètement différent et qui va les rendre opérationnels pour n'importe quel chantier demain. Et sur la partie légale, tout ce qui est la loi autour des chantiers, de la sécurité et tout ça, est-ce que c'est aussi des notions que tu apportes ou vous verrez ça plus tard? Ah oui, non, ça c'est par contre tout ce qui est sécurité, les notions elles y sont, c'est chantier, donc il y a le cabanon, donc c'est sur deux étages, alors c'est reprendre la maçonnerie, refaire des murs, maçonner des murs, faire des enduits, la charpente, créer une charpente, incorporer des fenêtres ou créer des ouvertures. Créer des escaliers en pierre sèche ou en maçonnée. Ensuite, il y a la petite tour où on retrouve une ouverture avec des enduits. On retrouve une base carrée donc avec des glacis, des vocabulaires qu'ils ne connaissent pas, retrouver du vocabulaire qu'ils ne connaissent pas et qu'ils apprennent. Après, il y a aussi une voûte à restaurer, donc piquer, refaire la voûte, une toiture. Et ensuite, on passe sur la tour maison. La tour maison, ce sont trois étages, donc R+2. Et on doit refaire une toiture, restaurer les enduits à l'intérieur et extérieur. Après, c'est réajustable et il faut voir avec la mairie par rapport au temps qui restera, parce que peut-être qu'il y a d'autres choses à voir en plus que. Quoi, il y a d'autres priorités que les restants. Par exemple, il y a une citerne qu'on a nettoyée, qu'on a découvert et tout. Peut-être que là, ça va être plus important qu'on réalise un sol propre, mettre en sécurité la zone, que le mur de restant qui tient mais qui juste esthétiquement ne convient pas. Est-ce que jusqu'à maintenant il y a eu des mauvaises surprises à l'intérieur du chantier? Des mauvaises surprises, des trous inattendus par exemple, des murs. C'est ça. Mais bien sûr, ça c'était obligé. C'était obligé. Par exemple sur le petit sur le cabanon, un angle on a tombé jusqu'en bas. Voilà. Il faut aller le rebâtir parce que c'était mort. Et ça, ces mauvaises surprises rentrent dans l'évaluation de la durée du chantier. Oui, bien sûr. Donc, il y a une marge de manœuvre quand même.
elle est calculée un petit peu, toujours dans nos plannings au départ quand on commence un chantier, mais à force qu'il y ait des petites surprises, après, le temps est compté. C'est ça, au bout d'un moment, ça devient plus compliqué. Voilà. On continue la visite, Grégoire ? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, on arrive sur une autre partie du chantier, là. Donc, c'est ce que Jean-Michel appelait la petite tour. Ouais. Alors, apparemment, il y a donc une ouverture en voûte. Et là-dessus, la municipalité ou la communauté de communes avait demandé à ce que ça reste un endroit visitable quand on se promène dans les jardins de la tour. Ouais, tout à fait. C'est pour ça qu'on a ouvert correctement le mur ici. Et qu'on a remonté ensuite la maçonnerie pour pouvoir accéder correctement à cette petite tour qui est vraiment atypique et qui sera effectivement accessible et qui est au niveau architectural assez intéressante. D'accord, pourquoi elle est intéressante? Parce que là, une porte qui a été rapportée d'après ce que j'ai compris et qui avec une. Et intérieur oui, il y avait une porte dans la porte. Hein. Voilà, c'est ça. Et ensuite, là, l'ensemble est en voûte, mais il y avait une petite cheminée mais qu'on ne pourra pas garder. Allez, on se rapproche. Alors on entend le doux bruit du marteau et du burin, la petite porte, la grande porte et la tour. Donc là on est sur la partie extérieure de la petite tour. Qu'est-ce qu'on fait? On refait du joint, faut que ça tienne. Alors c'est ce qu'il disait en bas, et donc une technique bien particulière, tout va être avec des pierres à vue. Ouais, l'enduit à pierre vue, donc c'est du rejointoiement. Donc après ça va être gratté. Et là, ils font une espèce de dégradé pour pouvoir laisser l'accès aux matériaux, aux véhicules de la mairie pour pouvoir monter un peu plus haut. Alors qu'en bas, on a reconstruit entièrement l'angle de la base carrée. Historiquement, il y avait de l'enduit de partout, il n'y avait pas de pierre à vue en vrai. Alors le choix entre enduit pierre vue ou enduit plein, alors ça c'est toujours compliqué. Oui, hein. Et je suis bien content que ce soit pas à nous que revienne cette responsabilité de trancher. Mais à l'architecte des bâtiments de France, c'est avec l'appui de Gisèle Tonini. Alors, on continue et on va aller voir la maison tour. Là derrière nous, le bruit de la bétonnière. Alors en ce moment on travaille à la chaux ici. Hein. Ouais, exclusivement à la chaux pour tout ce qui est enduit, la petite dalle pour la toiture de la tour pour la consolider, c'est tout à la chaux, chaussable. Est-ce que ça nécessite des moyens de protection particuliers à la chaux? Parce que c'est de mon souvenir, c'est un matériau qui est basique et qui est un peu dangereux. Ouais, alors c'est pas de la chaux vive, hein, c'est de la chaux éteinte, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Lorsque l'on va l'utiliser pour rejointer, bah, faut bien porter les éléments des équipements de sécurité, les lunettes notamment pour pouvoir se mettre dans les yeux. Bon, il y a toujours un petit peu qui passe, donc il y a toujours la trousse de secours qui est à côté pour pouvoir se mettre un petit peu de collier et se nettoyer les yeux s'il y a un souci. Puis il porte des gants parce que la chaux aime bien se mettre dans les plaies. D'accord. Donc, faut toujours porter ses gants. Alors, est-ce que les curieux auront la possibilité de venir visiter le chantier avant qu'il soit clos? Alors, aujourd'hui, bah, c'est toujours embêtant de refuser l'accès au jardin au Castellanet parce qu'on a bien compris qu'ils étaient bien et cet endroit, ils ont bien raison. Donc là, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas les accepter sur le chantier, donc on a tout clôturé. En revanche, on était en train de discuter avec la mairie de Castellane pour organiser un petit pique-nique un samedi à midi pour montrer l'avancée des travaux et profiter pleinement de la vue des jardins sous le soleil. C'est vrai qu'il y a des conditions pires hein, pour travailler. Hein. Alors, on avait un petit peu peur au début, c'est pour ça qu'on a commencé en février, à la sortie de l'hiver, pour ne pas avoir des problèmes de neige, de gel, etc. Enfin, il faut savoir qu'ils ont quand même eu à déneiger une fois ou deux le chantier au départ. Ah, c'est de bonne guerre, on est dans les Alpes-de-Provence. Hein. C'est de bonne guerre. Donc là, on est dans la maison tour. C'est bien, c'est la première fois que je rentre à l'intérieur de ce bâtiment, vu que je ne suis ni venue boire des bières en cachette, ni taguer sur les murs. Et je ne sais pas encore quelle est l'orientation de la municipalité par rapport à ce bâtiment, mais comme on dit, il y a un beau potentiel. Alors là, on vient de visiter les différentes parties du chantier. Il y a donc 10 personnes qui travaillent, 9 garçons,
une femme. Qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un peu d'absentéisme? Aujourd'hui, le chantier a bien avancé parce que justement, il n'y a pas d'absentéisme. Je faisais un petit calcul tout à l'heure, il y a eu à peu près 350 jours de travail. On a eu 7 jours d'arrêt maladie, donc c'est à peu près rien du tout, et sur des infections qui ont été importantes donc, et réelles. Donc aujourd'hui, on n'a pas de problème du tout d'absentéisme, et ça, je tiens à le souligner parce que ça marque l'engagement et l'engagement des personnes et puis le travail de Jean-Michel au quotidien. On est sur un contrat de travail, donc s'il y a des problèmes d'absentéisme, c'est comme dans tout contrat de travail. Si on ne vient pas travailler, on peut être amené à remettre en cause l'existence du contrat de travail. Et dans ce cas-là, est-ce que vous finissez le chantier à neuf ou est-ce que vous recrutez quelqu'un d'autre pour les 6 mois qui restent? Personne ne sera recruté. S'il faut terminer à 3, on terminera à 3. On travaille mieux avec 3 personnes qui ont envie d'avancer qu'avec 10 qui ont envie d'avancer. Mais pour l'instant, on n'a pas du tout ce souci. Nous sommes au mois d'août. Actuellement, les ouvriers sont en vacances. La prochaine visite organisée pour les jardins de la Tour Pentagonale, ce sera lors des Journées du Patrimoine, le samedi 20 septembre, de 10h à 14h.